0814 689 Om 11 uur. Jezelf en elkaar beschermen tegen het coronavirus. Hier zijn 6 tips. Was regelmatig grondig je handen met water en zicht. Als je hoest of niest, doe je dat best in een papier een zakdoek en gooi die dan meteen in de vuilnisbak. Heb je geen zakdoek bij de hand, bedek dan zeker je neus en je mond. En Madame et messieurs, bonjour. Nous sommes samedi 4 avril. Bienvenue pour ce point de presse quotidien. Je vais immédiatement céder la parole à Emmanuel pour un point de la situation pandémique avant d'aborder avec vous d'autres informations complémentaires. Oui, morgen, bonjour à tous. Nous faisons aujourd'hui le point pour la situation d'hier, du vendredi 3 avril. Hier, 503 personnes ont été admises à l'hôpital dans le cadre d'une infection à coronavirus et 375 ont pu quitter l'hôpital. A ce jour, 5678 personnes sont hospitalisées, dont 1245 aux soins intensifs. Il y a donc 56% des lits de soins intensifs qui sont actuellement occupés. 985 personnes nécessitent aujourd'hui une assistance pour respirer. Au cours des 24 dernières heures, nous avons également été informés du décès de 140 personnes. Parmi celles-ci, 47 étaient en Flandre, 56 en Wallonie, 37 à Bruxelles. Cela porte à ce jour à 1283 le nombre de personnes décédées dans le contexte de cette épidémie. Depuis le début de cette épidémie, nous avons réalisé plus de 70 000 tests de laboratoire. Durant les 24 dernières heures, 1661 personnes ont été diagnostiquées positives par un test de laboratoire pour une infection à coronavirus. Parmi celles-ci, 831 étaient en Flandre, 652 en Wallonie. 162 à Bruxelles et pour 16 personnes, nous devons encore consolider ces informations. Cela porte à ce jour à 18 431 le nombre de personnes qui ont été diagnostiquées avec un test de laboratoire. Nous voudrions rappeler aujourd'hui euh, la façon dont nous suivons l'évolution de, de cette épidémie. Vous savez que nous insistons beaucoup chaque jour à vous informer de, du nombre de personnes qui sont admises à l'hôpital, car c'est selon nous le meilleur indicateur indirect de la maîtrise de cette épidémie, de la maîtrise de la propagation du virus dans la communauté. Mais c'est un, un indicateur qui arrive en retard par rapport aux efforts que vous faites. Donc les hospitalisations. Qui arrive aujourd'hui, c'est le reflet de ce que nous faisons depuis une à deux semaines. Et vous savez que cet indicateur est en train de, de se stabiliser. Ça veut dire que même si les chiffres, le nombre de personnes qui sont toujours admises à l'hôpital reste élevé, ce nombre n'augmente plus de façon très importante comme c'était le cas au début de l'épidémie. Nous orientons donc vers une situation de maîtrise de la propagation de l'épidémie, même si de très importants efforts restent encore à réaliser. En ce qui concerne les décès de personnes, nous, nous savons que c'est évidemment aussi un indicateur de la gravité de cette épidémie dans notre société, euh, mais le nombre de décès, reflète, euh, s'il reflète également l'intensité et la gravité de cette épidémie, est un indicateur plus tardif. Et donc nous nous attendons encore dans les prochains jours à avoir de nombreuses personnes qui décèdent dans le cadre de cette épidémie. La mortalité, la, ou plutôt la surmortalité euh, liée à cette épidémie par rapport à, aux décès qui euh, se produisent évidemment naturellement euh, dans notre société, c'est quelque chose qui pourra être mesuré par la suite, euh, car nous suivons depuis euh, de nombreuses années la mortalité dans, dans notre pays, et donc nous pourrons comparer... Euh, le nombre de ces décès avec euh, voilà, le nombre de décès que nous observons aujourd'hui avec les tendances des années précédentes. J'espère que cela vous permet de comprendre un peu mieux euh, la façon dont nous monitorons l'évolution de cette épidémie. Bonjour tout le monde De afgelopen 24 uur zijn er 503 nieuwe patiënten opgenomen in onze ziekenhuizen en hebben 375 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten op dit ogenblik op 5678. Daarvan liggen 1245 patiënten op intensieve zorgen. Dat is een stijging met 40 patiënten. En 985 patiënten worden beademd. Dat is een stijging met 69. De afgelopen 24 uur werden er jammer genoeg opnieuw 140 bijkomende overlijdens gerapporteerd. Daarvan kwamen er 47 uit Vlaanderen, 56 uit Wallonië en 37 uit Brussel. Dat brengt het totaal aantal overlijdens op dit ogenblik op 1283 in België. De voorbije dag werden bovendien 1661 nieuwe gevallen gediagnosticeerd in onze laboratoria. Daarvan kwamen er 831 uit Vlaanderen, 652 uit Wallonië, 162 uit Brussel en 16 van onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen op 18.431. Het is belangrijk om u eraan te herinneren dat dit aantal gevallen die bevestigd worden in het laboratorium niet zegt over de werkelijke evolutie van de epidemie. Dit zegt iets over wie we testen en hoeveel mensen getest worden. En zoals u weet testen we steeds meer en meer. Vandaar dat dit getal... Uh, de komende dagen lijkt te stijgen en misschien zelfs nog gaat verder stijgen in de komende uh, dagen. De cijfers die wel iets zeggen over de evolutie van de epidemie, dat zijn vooral de hospitaalcijfers. En meer bepaald het aantal nieuwe opnames in onze hospitalen per dag. En daar zien we dat dit getal aan een aantal dagen stabiliseert in de zone tussen 500 en 600. Dat is goed nieuws. Het getal blijft natuurlijk wel hoog, de druk op de ziekenhuizen blijft ook hoog. En ondanks deze stabilisatie uh, is het aantal overlijdens hoog en mogelijk kan dit nog stijgen de komende dagen. Dat komt omdat mensen die overlijden aan deze ziekte vaak twee weken of langer geleden besmet zijn geworden met het virus. En de maatregelen die hebben pas een effect uh, kort nadien gehad. Dus het kan zijn dat die overlijdens nog een tijdje blijven doorstijgen, ondanks het feit dat de maatregelen wel degelijk werken. Dat moeten we goed uh, beseffen. Um, voor de rest zou ik nog zeggen, geniet van het mooie weer dit weekend, hou vol, nodig geen mensen uit en probeer er toch van te genieten. Dank u. Le nombre de personnes dans les hôpitaux, mais également le nombre de personnes qui décèdent, reste malheureusement élevé. Mais il est clair aujourd'hui que nous pouvons tous observer, que nous pouvons ralentir la propagation du virus en respectant strictement les mesures recommandées. Dans cette situation difficile, on constate aussi que la grande majorité d'entre nous prenons notre responsabilité. Nous avons suivi les consignes de santé publique. Mais soyons réalistes, la situation dans les hôpitaux est difficile, même si elle est encore aujourd'hui gérable. Il faut remercier pour cela chacun d'entre vous, chacun d'entre nous qui suivons au mieux ces consignes de santé publique difficiles mais nécessaires. Nous devons maintenir cette attitude positive tous ensemble pour pouvoir passer au travers de cette pandémie. Hier, un nouvel arrêté ministériel a été publié. Cet arrêté Prolonge les mesures renforcées jusqu'au 19 avril, avec une possibilité de prolongation complémentaire jusqu'au 3 mai. Cet arrêté ministériel clarifie concrètement l'application de certaines mesures. Je vais en résumer ici quelques-unes. Les magasins d'alimentation peuvent rester ouverts, par exemple, selon leur horaire normal, journalier d'ouverture. Dans le précédent arrêté ministériel, il est indiqué que les magasins d'alimentation pouvaient rester ouverts entre 7h et 22h. Ici, maintenant, on fait référence à leur horaire normal d'ouverture. Pour ce qui est des magasins de nuit, il est précisé néanmoins que ceux-ci doivent fermer à 22h. Les mariages peuvent avoir lieu en présence du couple, des témoins, de l'officier d'état civil si on parle d'un mariage civil et du ministre du culte pour les mariages religieux. Les cérémonies funéraires, bien sûr, peuvent également et malheureusement avoir lieu en présence maximum de 15 personnes, tout en respectant cette distance physique que nous mettons entre nous pour nous protéger l'un l'autre. Les magasins de télécommunications peuvent également être ouverts de manière limitée. Ici, il s'agit en fait de permettre à ces magasins d'être ouverts dans l'urgence, pour des besoins urgents, des réparations, d'accueillir un client à la fois, sur rendez-vous. Et cette mesure en fait, va vous permettre à chacun de pouvoir rester joignables, disponibles, de rester en contact avec vos proches et de pouvoir justement réparer vos appareils, vos smartphones, vos tablettes pour pouvoir continuer à veiller les uns sur les autres. Les magasins des dispositifs médicaux peuvent également être ouverts en cas de besoin d'urgence. Et il y a encore une clarification qui est apportée quant aux voyages non essentiels qui sont interdits au départ de la Belgique mais également vers la Belgique. Ce week-end et les prochains jours, il fera beau. Profitez donc de ce beau temps tout en respectant des règles simples. Allez vous promener, faire du vélo en famille ou avec un ami. Gardez cette distance pour votre santé et celle des autres. Et n'oubliez pas de vous laver les mains lorsque vous rentrerez chez vous. Ensemble, tenons bon. Ensemble, agissons maintenant contre le corona. Merci. Merci. Het aantal mensen in de ziekenhuizen en overleden personen blijft hoog. Maar het is duidelijk dat we de verspreiding van het virus hebben kunnen afremmen door het nauwgezet opvolgen van de maatregelen. In deze moeilijke situatie neemt het overgrote deel van de bevolking zijn verantwoordelijkheid op. Momenteel is de situatie in de ziekenhuizen zwaar, maar nog beheersbaar. En dit is te danken aan iedereen die de regels nauwgezet naleeft. We moeten deze positieve attitude verder blijven volhouden de komende dagen en weken. Gisteren is het ministerieel besluit gepubliceerd dat de huidige maatregelen verlengd tot 19 april. Deze maatregelen kunnen nog verlengd worden tot 3 mei. Het ministerieel besluit verduidelijkt ook al een aantal maatregelen. Ik som hier de belangrijkste punten kort voor u op. Voedingswinkels kunnen open blijven op de gebruikelijke dagen, gebruikelijke dagen en tijdstippen. In het vorige besluit was voorzien dat voedingswinkels enkel konden open zijn tussen 7 en 22 uur. Wat betreft de nachtwinkels wijzigt er niets. Deze kunnen open blijven tot 22 uur. Huwelijken kunnen doorgaan in aanwezigheid van het koppel en de getuigen, aangevuld met de ambtenaar van de burgerlijke stand voor wat betreft een burgerlijk huwelijk en de geestelijke voor religieuze huwelijken. Begrafenisplechtigheden kunnen ook nog doorgaan in aanwezigheid van maximaal 15 personen. En met respect voor de fysieke afstand tussen de aanwezigen. Telecomwinkels kunnen beperkt opengaan. Ze mogen enkel de deuren openen voor noodgevallen. Ze mogen enkel één klant per keer toelaten en dit enkel op afspraak. Deze maatregel is er gekomen omdat iedereen op deze manier in contact kan blijven met elkaar. Ook al is uw smartphone, gsm even uh, defect. Ook winkels voor medische hulpmiddelen kunnen open blijven voor noodgevallen. Tot slot is er een verduidelijking aangebracht voor wat betreft uh, niet-essentiële reizen van en naar België. Beiden zijn momenteel verboden. Dit weekend en de komende dagen wordt een heel mooi weer. Profiteer er optimaal van, maar doe dit met respect voor de maatregelen. Ga wandelen, fietsen of lopen met je gezinsleden of met één vriend of vriendin. Hou hierbij rekening met die fysieke afstand en was regelmatig je handen. Samen moeten we dit volhouden. Samen tegen corona. We hebben nu eenmaal geen andere keuze. Dank u wel. En dan kunnen we nu overgaan naar de vragen. Après avoir été infecté par le coronavirus, combien de jours faut-il attendre pour en être débarrassé définitivement? Après 14 jours de quarantaine, est-on sûr de ne plus être infecté? Après une infection euh, à coronavirus qui a été confirmée et euh, une, une évolution positive. Donc euh, quand vous êtes guéri, vous n'avez plus de symptômes. Depuis un certain nombre de jours, eh bien, vous êtes donc euh, guéri et, dans, euh, et vous avez normalement euh, développé les anticorps nécessaires. Il est cependant nécessaire euh, de maintenir toutes les règles qui s'appliquent à l'ensemble de la communauté euh, une fois que vous êtes sorti de, de, de cette période. Pourquoi Parce que... Euh, vous pouvez encore être vecteur du virus dans la communauté simplement par les surfaces que vous touchez. Et donc c'est extrêmement important que chacun puisse maintenir l'ensemble des règles qu'on ait été ou non infecté par le passé afin de maintenir un contrôle sur la propagation du virus. Hoeveel dagen zijn er nodig om definitief van het coronavirus af te geraken nadat je geïnfecteerd bent? Zijn we zeker dat na 14 dagen quarantaine de infectie weg is? Wanneer men de ziekte oploopt, dan is men het meest besmettelijk in de eerste week uh, van de symptomen. Maar mogelijk is er nog een klein beetje virus aanwezig ook in de tweede week. Dat neemt geleidelijk aan af naarmate ook de immuunrespons uh, in gang schiet. We gaan ervan uit dat vanaf 14 dagen na het begin van de symptomen de kans dat iemand nog besmettelijk is zeer, zeer klein is. Dat betekent wel niet dat men nadien mag doen wat men wil. Iedereen moet zich aan dezelfde regels houden, iedereen moet afstand houden, moet denken aan de handhygiëne. Maar in principe gaan we er niet van uit dat mensen nog besmettelijk kunnen zijn twee weken na het begin van de symptomen. Op voorwaarde dat de symptomen ook verdwenen zijn. Is er een verklaring waarom Limburg nog altijd de zwaarst getroffen provincie is? Denken jullie dat Limburg hierin voorop loopt en dat we naar een situatie gaan waarbij Limburg op termijn minder hard getroffen gaat zijn en dus voorbijgestoken gaat worden door de andere provincies? Ik vrees van niet. Ik denk de maatregelen die we nu uh, geïnstalleerd hebben, die gelden voor het hele grondgebied en die zorgen voor een vertraging van uh, de viruscirculatie over het hele grondgebied. Dus ik hoop... Dat de, ik hoop niet dat de andere provincies Limburg nog gaan inhalen uh, en dat uh, uiteindelijk uh, de infectie verder zal doorzetten op andere delen van het grondgebied. Het is de bedoeling dat het overal vertraagt en vertraagt in dezelfde mate. Dus ik, ik denk niet dat er nog een inhaalmanoeuvre zal, uh, zal gebeuren. expliquer pourquoi de provincie Limburg is Pensez-vous que celle-ci est en avance et qu'elle sera moins touchée dans le futur, jusqu'à être rattrapée par les autres provinces Le fait que certaines régions du pays euh, aient eu plus de, de cas d'infection euh, et plus de cas sévères euh, est lié à ce qui s'est passé tout au début de l'épidémie. Donc, il y a probablement eu plus, plus de foyers euh, épidémiques à cet endroit à ce moment-là. Mais les mesures que nous avons prises euh, pour réguler, ralentir la circulation du virus dans notre pays, se sont appliqués à l'ensemble des provinces. Et donc, euh, la diminution s'est appliquée sur l'ensemble des provinces. Il n'y a aucune raison de penser que le Limbourg serait simplement en avance par rapport à d'autres provinces qui, qui rattraperaient. L'impact de ces mesures se fait de façon homogène sur l'ensemble des provinces. Est-ce utile de désinfecter les rues comme en France ou en Chine Non. Euh, ce n'est pas utile parce que la, les vecteurs du virus dans cette épidémie, ce ne sont ni les arbres, ni l'asphalte le, sur les rues, ce sont les, les personnes. Ce sont les personnes qui sont infectées. Donc c'est les personnes qui sont vecteurs de ce virus. Et l'environnement dans lequel nous vivons est un, un environnement qui peut être... Euh, sur lequel le virus peut se déposer de façon temporaire, éventuellement être retransmis via le contact des, des mains, etc. Mais c'est de façon temporaire. Le virus, quand il est à l'extérieur, s'il se dépose sur une surface, sur un arbre, sur un banc, il va disparaître, il va mourir euh, dans les heures, voire les jours qui suivent. Et il faut bien savoir que ces désinfections n'agissent qu'à un certain moment, et n'agissent que sur ces surfaces et pas sur euh, les vecteurs qui sont, euh, qui sont les hommes. Et donc ce qu'il faut, c'est que toutes les mesures que nous prenons s'appliquent pour diminuer l'infection des, 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 des hommes et la, la protection des, des hommes et des femmes en, via euh, les mesures d'hygiène que nous recommandons depuis le début. Heeft het nut om de straten te ontsmetten zoals in Frankrijk en in China? Nee, volgens ons heeft dat heel weinig zin. Uh, bomen, beton, asfalt zijn geen bron van virus. Mensen zijn dat wel. Die producten werken maar even en die zijn schadelijk voor het milieu. Dus ecologisch nefast, virologisch heel weinig zinvol. Het heeft, heel veel, het heeft veel meer zin om gericht oppervlakte te gaan ontsmetten die mensen vaak aanraken. comme klinken, knoppen, leuningen. Ga Et te denken à la bonne Dat C'est veel zinvoller. Merci à tous et toutes. Bedankt à tous. On se retrouve lundi et non pas demain. Profitez de votre dimanche. Profitez de ces moments avec vos proches. Restez en contact avec eux. Prenez soin de vous et tenons bon pour passer ensemble à travers cette pandémie. Merci.